Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie spéciale débutant pour le cartonnage. Désolée, j'étais un peu longue pour la faire, mais j'étais pas mal occupée. J'étais occupée par les commandes de cartonnage. D'ailleurs, là, je suis en train de refaire une commande, commode encore. Puis bon, j'avais comme d'hab des obligations personnelles. Mais comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, voilà, vous voyez, je cherche toujours mes mots, hein, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on va parler carton et tissu. Donc, ça va aller assez rapidement parce que, bon, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Juste vous dire les différents cartons que vous pouvez utiliser, et en même temps je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous voulez quand même faire du cartonnage, parce que bon, c'est vrai que le cartonnage c'est quand même un budget. Et donc vous ne pouvez pas toujours acheter des grandes plaques de carton qui coûte quand même un certain prix. Et puis bon, voilà, mais vous voulez quand même vous faire une boîte et vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main non plus. Donc je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser. Voilà, on va y arriver. J'ai chaud, la chaleur commence à revenir par ici dans le nord. Et là, j'ai chaud ce matin. Alors, les cartons, d'abord. Moi, j'utilise en priorité... Bon, là, j'ai pris des chutes. Hein, c'est plus facile pour vous montrer à la caméra. J'utilise principalement du carton gris. Voilà, ceci. Alors, le carton gris, on utilise principalement... Alors, moi, j'utilise principalement du 2 mm. Mais j'utilise aussi du 3 mm, quelquefois du 1 mm. Alors, il faut savoir que le carton gris, il existe en 1 mm. Alors, pas chez tous les marchands. Alors, chez certains marchands, vous allez trouver du 1 mm, du 1,5, du 2, du 2,5, du 3, et très rarement du 4. Après c'est tout, voilà, on n'aurait pas plus gros. Donc là c'est du 2, bon là bien sûr vous ne verrez pas ce que ça vous fait trop à la caméra. Donc c'est du carton plein, vous voyez, hein, c'est pas le carton d'emballage, hein, bien sûr, ça, le carton d'emballage c'est pour faire d'autres choses. Pour faire les boîtes, on utilise ce carton-là. Vous voyez, c'est un carton quand même rigide, assez rigide. Donc là, c'est du 2. Ici, c'est du 3. Alors, je vais essayer de vous montrer, comme je peux, la différence. Si vous voyez, alors, je vais essayer de me mettre. Vous voyez, il n'y a pas, grande différence, mais déjà... Là, on a plus de mal à plier. Donc, ça, c'est du 3. Du 4, j'en ai pas sous la main. Mais, et du 1, j'en avais, mais c'est une très grande plaque. Donc, à la caméra, ça va être compliqué de vous le montrer. Mais c'est du gris aussi. Donc, j'ai du 1 mm. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser normalement pour le cartonnage. Donc ça, les cartons, vous les trouvez, bon, moi j'achète beaucoup chez l'Éclat de Verre. Maintenant, j'achète aussi chez au Géant des Beaux-Arts. Et vous pouvez en trouver, alors, n'allez pas chez Cultura, ça coûte une blinde. Cultura en vend, mais alors ça coûte extrêmement cher chez eux. Donc n'allez pas acheter du carton chez eux. Voilà. Donc, alors ça, j'avais dit, c'est du 2, du 3, voilà, c'est encore du 3, voilà. Et il existe, alors, ah, voilà. Donc ça, c'est du carton gris.
Et il existe le carton bois. Voilà. Donc, le carton bois, c'est ça. Voilà. Donc là, moi, je ne l'ai qu'en 3 mm. Pareil, il y a plusieurs épaisseurs, mais moi, le carton bois, je ne le prends principalement qu'en 3 mm. Donc, voilà. Donc là, le carton bois, vous ne le trouvez que en blanc et cru, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est assez solide. Et ça, c'est... Il faut y aller hein, pour le couper quand même. Donc, le carton bois, c'est pour faire quand même des choses qui ont besoin de résister dans le temps. Et qui ont besoin d'une solidité quand même à toute épreuve. Voilà. Donc, ça, j'utilise rarement, surtout en ce moment. Mais le carton bois, y a du carton et il y a du... comment bah, c'est du bois, oui, mais de... Comment on dit du râpé de bois. Bon, vous m'avez compris. voilà, il y a du bois mélangé avec du papier, avec du carton dedans. Voilà. Donc ça, moi, je l'ai en 3 mm. Donc ça, ce n'est que dans cette couleur. Voilà. Et ça, il faut avoir quand même de la force pour le couper. Avec mon cutter électrique, je n'ai pas encore essayé ça, par contre. Voilà. Ensuite, pour faire les gainages, il y a de la cartonnette. Donc ça, vous voyez, voilà, c'est comme du papier à dessin. Voilà. Donc ça, c'est assez fin. Et ça, c'est juste pour faire les gainages à l'intérieur, pour les décorations à l'intérieur. Alors ça, vous pouvez prendre de la cartonnette comme ceci. Il y a du reflex qu'on appelle aussi. Le reflex est beaucoup plus fin. Mais bon, c'est pareil. Mais le reflex est un peu plus cher. La cartonnette est un peu moins chère. C'est comme du fin carton. Voilà, vous voyez, mais celui-là. Hop. Donc, il existe qu'en blanc, bien sûr. Et là, ouais, c'est juste pour, je vous dis, pour faire le gainage à l'intérieur des tiroirs, à l'intérieur des couvercles. Voilà. Donc, ça, vous en avez besoin aussi pour décorer vos intérieurs de boîte. Donc, ça, bon, comme je l'ai en main, je vais en parler tout de suite. Ça, vous pouvez le remplacer par... alors, je ne l'ai pas pris en main, je vais le prendre tout de suite. Alors, je l'ai là. Voilà. Moi, j'ai ça aussi. Donc là, c'est une feuille de papier qu'on peut passer à l'imprimante. C'est une petite feuille cartonnée. Donc, vous voyez, là, c'est pas la cartonnette, c'est pas du reflex, c'est rien. C'est de la feuille qu'on passe en imprimante. Ça suffit. C'est tout. Ça me suffit aussi pour faire les gainages. Et on peut également le remplacer. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire pour celles qui n'ont pas beaucoup de sous. Par tout ce qui est boîte, alors les cornflakes, les voilà, ces boîtes là, les boîtes comme ceci, voyez, pour celles qui fument. Donc vous prenez les intérieurs, là vous avez l'épaisseur est la même, donc vous gardez vos boîtes, vous découpez hein, tout ce qui peut être récupérable, donc les grandes parties, et ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la cartonnette. Vous pouvez récupérer les boîtes comme ça, les boîtes de cornflakes, les boîtes de biscottes, les boîtes... voilà. Tout ce qui est fin carton, comme ceci. Et avec ça, vous faites vos cartonnettes et vos gainages. Voilà. Donc ça, c'est pour vous éviter d'acheter de la cartonnette. En sachant que là, bon, la boîte à cigarettes, vous ne ferez que les côtés. Puisque c'est des petits morceaux. Avec la boîte à cornflakes, vous pourrez faire vos fonds de tiroir.
Voilà. Vos fonds de boîte. Ensuite, pour parler de faire des économies ou celles qui ne peuvent pas acheter de boîte, de plaques de carton, vous pouvez utiliser également les calendriers. Voilà, les grands calendriers ou même les petits, si vous avez les petits. Ça, c'est pareil. Vous utilisez ça. Alors, je rassure, celles qui me commandent des boîtes ou quoi que ce soit, je ne travaille pas là-dessus. Je ne travaille pas sur les calendriers. Je travaille réellement sur les boîtes, sur des plaques de carton. Donc, là, j'en ai coupé une chute pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur, c'est bien du carton plein, gris. Donc, vous pouvez utiliser ça sans problème. Et du carton calendrier comme ça, c'est du 2 mm. Voilà. Donc, ça vous permet de travailler des boîtes en 2 mm sans problème. Et ça, vous l'avez gratos. Hein. À la fin de l'année, enfin en début d'année, au mois de janvier, vous allez voir votre banquier, vous lui ramassez tous ces vieux calendriers, vous les récupérez, et puis voilà. Quitte à lui dire, je vous ferai une boîte. Donc ça, c'est gratos. Les boîtes de cornflakes, c'est gratos. Les boîtes de biscottes, c'est gratos. Donc vous pouvez vous faire des boîtes pour presque rien si vous n'avez pas beaucoup de sous. Voilà, donc ça c'était pour les cartons. Les cartons, les cartonnets. Donc, et bien sûr, je l'ai mis où? Mais ça, je crois que je vous en avais déjà parlé sur l'autre vidéo. La chose qui ne sera pas gratos, c'est ça. Voilà. J'en avais un entamé. Ah, mais il est là. Voilà. C'est le craft gommé qui va vous servir à coller le carton. Hein. Voilà, qui va vous servir à coller le. Voilà, vous voyez, là c'est le côté où on met l'eau. Voilà. Non, c'est là qu'on met l'eau, pardon, c'est le côté brillant. Donc ça, c'est obligatoire. Ou alors vous prenez du grand scotch, mais assez fin, mais large. Voilà. Pareil, si vous ne trouvez pas ça, vous prenez du scotch large, mais pas trop épais. Voilà. Ensuite, pour les tissus. Alors, les tissus, vous allez prendre des tissus... Alors, pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude, prenez des tissus en coton. Voilà. Donc, les tissus en coton, voilà. Hein, vous savez ce que c'est qu'un tissu en coton. Parce que ça sera 1, 2, 3, ça ira beaucoup mieux pour l'application sur votre carton. Donc des tissus vous aurez en coton principalement. Après vous pouvez également utiliser du tissu. Alors est-ce que je l'ai là sous la main? Ah bah il est devant moi. Vous pouvez utiliser de la toile à broder. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à poser. Là, il faut déjà avoir un petit peu l'habitude, mais c'est un peu plus difficile à poser. Vous pouvez utiliser aussi du lin. Pareil, c'est un peu plus difficile à poser parce que la colle va ressortir. Donc là, il faut aller doucement sur la colle. Là, le lin, j'en ai pas sous la main, non, j'en ai plus. Mais bon, là, il faut aller doucement. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser un mélange coton-polyester. Là, c'est ce que je vais utiliser justement pour la commode. Mais pareil, vous y allez doucement, ça se pose bien. Mais principalement, c'est du coton. En dessous de votre tissu, par exemple pour les couvercles, vous pouvez utiliser ça, du molleton, pour faire des couvercles un peu bombés. Vous pouvez utiliser ceci.
sur la porte en bas. Donc ça, c'est des plaques de molleton. Voilà, et vous prenez du molleton pareil, comme ceci. Donc voilà. Et avec ça, vous faites comme un petit coussin sur votre couvercle. Désolée, j'étais voir ce qui se passait parce que ça faisait beaucoup de bruit dans l'escalier. Donc, je vous disais, ouais, le molleton. Ne prenez pas du molleton en vrac, vous savez. Donc, même pour si vous avez plusieurs, vous voulez faire une belle épaisseur, vous coupez plusieurs fois. Je vous ferai une vidéo là-dessus, si vous voulez. Comment faire le bombé d'un couvercle. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, je vous ferai une vidéo. Pardon. Donc, voilà. Et ensuite, ben, sur les tissus, vous pouvez avoir les dentelles, des rubans, des voilà, pour faire vos décorations. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, c'est si vous avez des questions sur les tissus, sur les cartons, sur les cartonnettes, voilà, ben, tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas. Si vous voulez une vidéo, si vous voulez un tuto, comment faire le couvercle avec le molleton, dites-le-moi aussi en commentaire, je vous ferai un tuto. Puis, ben voilà. Donc, je vous referai une vidéo spéciale débutant avec une boîte. Voilà. Et puis, ben, je crois qu'on aura terminé la leçon spéciale débutant. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. En barre d'infos. N'importe quoi. En commentaire, si vous voulez. Donc, oui. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo pour couper vos cartons cutter, hein, bien sûr. Pour couper vos tissus, ben, c'est ciseaux. Ou alors si vous avez une roulette de patchwork à tissu. Puis voilà. Donc pareil, pour couper, si vous voulez une vidéo pour comment couper le tissu pour le cartonnage, dites-le-moi, j'en ferai une. Ce sera l'occasion bah, de vous faire plusieurs vidéos bah, avec la boîte que l'on fera ensemble. Voilà, je choisirai de faire une boîte avec un couvercle molletonné. Et puis, je vous ferai une vidéo sur la découpe du carton. Je vous ferai une vidéo sur la découpe du tissu. Et sur le montage et sur le couvercle molletonné, si vous le souhaitez. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà pour aujourd'hui, ben, j'espère vous avoir appris des petites choses, que ça vous aura intéressé. Là maintenant je vais retourner au turbin, comme on dit. Je vais commencer les collages de la commode. Je vais vous montrer les tissus que j'ai eus. Alors il y a celui-là et il y a l'autre. Attendez. Vous les avez déjà vus, je vous avais mis une photo dans la communauté sur YouTube pour celles qui pensent à y aller. Donc voilà, là c'est une commode qui va avoir ces trois tissus. Voilà, là je sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est parme. Donc, il y aura du violet, fleur avec le fond violet et les fleurs avec le fond rose. Donc, ces deux tissus-là viennent d'Angleterre et celui-là vient toujours de B. J'aime bien celui-là parce qu'elle arrive à me faire des très, très grands morceaux. Et pour mes intérieurs de commode... j'aime bien. Elle les a dans de nombreuses couleurs. Et du coup, j'aime bien. Et là, bah, c'était la première fois que je commandais sur cette boutique en Angleterre.
Et donc, on va voir ce que le tissu donne. Et justement, celui-là, c'est un mélange de coton. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, celui-là va aller sur les façades de tiroirs. Voilà. Et celui-là va aller sur le reste de la commode. Et celui-là, tout le reste, l'intérieur, les intérieurs de tiroirs, etc. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire et à me dire si vous voulez le couvercle moltonné, si vous voulez une vidéo sur la découpe du tissu, etc. etc., etc. Voilà, à très bientôt. Bisous, bisous.